collectif LGV Nina, je vous remercie d'être venus si nombreux et nombreuses. Parce qu'il n'est jamais trop tard pour agir. Ce vilain projet de GPSO pourrit la vie de ce territoire depuis 15 ans, on va le stopper tous ensemble. Le 1er octobre, il y avait 500 personnes autour des élus qui avaient appelé à manifester à Langon. On est peut-être un petit peu moins nombreux aujourd'hui, mais ça va durer jusqu'à ce soir 22h, donc le compte va y être, j'en suis sûre. Et du coup, ça veut dire qu'on n'est pas seul à penser qu'on peut stopper ce projet LGV, ni ici, ni ailleurs. Alors en juin, le collectif LGV Nina avait à peine 6 mois, on vous a invité au bord du Ciron. C'était la manifestive avec des actions, des débats. Et cette lutte locale, elle est ancrée depuis bien longtemps. Et en même temps, il y avait besoin de réactiver avec l'actualité du projet. Je ne sais pas si vous vous souvenez comment c'est sorti du chapeau. M. Castex a signé le projet de financement une semaine avant de quitter son poste de Premier ministre. Une semaine après le début de la guerre en Ukraine, était-il nécessaire de se précipiter pour un projet inutile, coûteux et qui n'apporte rien à notre territoire? On se le demande. Déjà au mois de juin, au bord du Ciron, les membres du collectif du Tarn-et-Garonne, de Bordeaux, le maire de Saint-Macaire était venu nous rejoindre et on pouvait se dire qu'effectivement, on a peut-être un désavantage avec cette grande ligne et ce grand projet, le plus grand des 10 prochaines années sur le territoire qui s'étend. Et en même temps, on peut faire venir aussi du monde de partout. Et c'est ce qui est en train de se passer. Parce que, donc, ils étaient déjà nombreux au bord du Ciron. Notre collectif, cet été, beaucoup d'entre nous ont été impactés par les feux de Landiras. Beaucoup ont subi de plein fouet la peur, les évacuations, dégradation de la nature, du cadre de vie. Et c'était d'autant plus impossible de laisser ce chantier continuer. L'important, c'est le long terme, le contexte écologique, économique et social qui n'est pas du tout rendu par ce projet, puisque je vous rappelle que 98% des usagers de trains prennent les trains du quotidien et non pas ces TGV, et d'autant moins sur des LGV qui n'existent pas encore en pleine période de sobriété. Il faut savoir qu'un TGV qui va de 200 à 300 km/h consomme le double d'électricité. Donc on parle toujours de chiffre du chantier, mais c'est tout le fonctionnement qui n'est pas valable. Donc c'est pour ça que les besoins de mobilité, ils sont au quotidien. Et suite à l'invitation du maire de Saint-Macaire, on était très contents de venir se fédérer ici à la lutte locale pour garder des trains, pour pouvoir aller au travail, pour pouvoir aller en formation, pour pouvoir aller à l'école. Tous et toutes qui prennent le train en ce moment savent très bien qu'il y a besoin d'investissement. La France est à la traîne en Europe pour tous ces investissements du train du quotidien. Donc c'était important pour nous de se retrouver à Saint-Macaire, devant une petite gare, avec des élus qui ont lutté pour que les arrêts continuent et soient maintenus. Et donc cette mobilité, c'est celle-là pour les usagers. Et on aura un débat à 16h au bord des remparts. Je pense qu'on pourra approfondir. Il y aura des témoignages d'usagers, des témoignages d'élus, des témoignages de militants. On pense qu'il y aura peut-être un ou deux cheminots aussi qui en ont parlé de tout ce qui va se passer en ce moment, parce qu'on entend plein de choses, TER métropolitain, Transgirondin, mais il y a beaucoup à voir. Et en attendant, si on garde ce projet de LGV, tout ça va être mis en péril. Je voulais juste vous dire aussi un petit mot sur cette manifestive ici à Saint-Macaire. On a fait appel à des artistes qui ont répondu présents et vous avez accueilli un voyage en famille au train de 13h18. C'est la compagnie La Ravine Rousse, s'il vous plaît, pour les accueillir. Bravo et merci. Ensuite, il y a les sous-fifres de Saint-Pierre-d'Aurillac. C'était notre botte secrète. Ils étaient là. Bravo, merci beaucoup de nous accueillir. Ils nous amèneront jusqu'au rempart. Ils vont nous amener jusqu'au rempart pour la fête qui se passe là-bas. Ensuite, il y aura aussi un gros concert ce soir de la Collector à 20h. Il y aura la chorale avant, dont j'ai oublié le nom.
qui viendra nous soutenir, mais il faut les dire que... Déjà ça. Comment tu dis ? Les champs brûlent. Les champs seront là. Et voilà, les appels lancés auprès des artistes, ça fait chaud au cœur que vous soyez là. Pour tous les artistes qui sont venus, je vous remercie de les applaudir encore une fois, s'il vous plaît. Il y avait beaucoup de citoyens pour soutenir la manif organisée par les élus le 1er octobre. Il y a aussi beaucoup d'élus aujourd'hui ici. C'est ça qu'il faut. On est ensemble. Donc on lâchera rien, vous non plus. Je vais laisser la place à monsieur Cédric Gerveau, maire de Saint-Macaire, qui représente les élus d'ici. Merci beaucoup.